Na 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 na. J'ai senti un réel besoin de changement. J'ai décidé de tout donner pour réussir comme architecte. Parce que je mets toutes les chances de mon côté. Dispose de très grandes facilités matérielles, intellectuelles et spirituelles dans le cadre d'un internat situé dans un océan de verdure. Le programme Naled Sion existe déjà depuis 10 ans sur le campus de Kiryat Noir à Jérusalem. Le programme Naled Sion propose aux jeunes francophones un programme d'intégration en douceur pour le bac israélien. Les élèves à Naled Sion sont préparés à un bac israélien de haut niveau qui leur permettra d'accéder au monde du high-tech. Le bac israélien est reconnu dans le monde entier. Il permet à nos élèves de rentrer dans les universités israéliennes sans année préparatoire. Le programme Naled Sion propose aux élèves de la 3e à la terminale de réussir leurs études et de s'épanouir pleinement dans leur vie juive. À Naled Sion, nous possédons un cadre agréable et confortable pour les élèves. Nous vous attendons pour participer à la grande entreprise de l'édification de l'État d'Israël. L'internat, c'est pas un dortoir, c'est une maison, une vraie. Et tous les élèves, et nous, le Tsevet, l'équipe, on est dans cette maison, on vit ensemble. À l'école, on apprend la théorie. À l'internat, c'est plus la pratique. C'est l'école de la vie, le meilleur moyen de s'intégrer en Israël. L'internat, c'est aussi un lieu où on joue, on s'amuse, on se rencontre, on fait du foot, des sports de combat, toutes les activités réunies dans un seul endroit pour toutes les classes. En général, c'est beaucoup de kiff. À l'internat, l'équipe d'éducateurs, notre rôle, c'est pas simplement d'encadrer les élèves, mais c'est de leur apprendre à vivre, à s'intégrer en Israël, à parler, à vivre en société, plein de choses. Pour un élève qui fait l'Aliya, qui arrive, l'internat lui permet de comprendre la réalité israélienne, de mieux s'intégrer, et ça, c'est la garantie de la réussite de toute sa vie plus tard, ici en Israël. Alors voilà, la maison est ouverte, les portes sont ouvertes, la famille a envie de s'agrandir. Alors venez nous rejoindre, venez nous voir, et c'est sûr, vous resterez. Intégration en Israël grâce au programme de Naalé. Après 3 ans d'études, j'ai obtenu mon bac et j'ai intégré la yeshiva du Rav Bochko pendant 2 ans. Ensuite, je suis rentré dans une unité combattante de Tzahal. Durant mon service, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse et de fonder un foyer. Après quelques mois d'études, j'ai décidé de donner à mon tour au programme Naalé et j'ai intégré l'équipe pédagogique de Naalé Tzion.
Tout d'abord parce que le concept de l'école est génial. Il permet l'intégration en douceur. Il est l'excellent mélange de la vie juive et de la participation à l'édifice de l'État d'Israël. Je vous invite vivement à nous rejoindre et à participer ensemble à cette grande aventure. Présente, je m'appelle Benjamin Twitou. J'ai fait mes études à Nahalé Tzion. J'ai donc passé un bac israélien dans le cadre de Nahalé Tzion avec tous les avantages qui étaient proposés. J'ai eu un bac supérieur à la moyenne des bacs israéliens. À Nahalé, j'ai beaucoup appris comment gérer mon temps, gérer mes affaires. Et ça a été vraiment très utile ensuite pour la yeshiva, mais aussi surtout pour l'armée et aussi pour la vie actuelle que je mène. Pour tous ceux qui décident vraiment de faire le pas et de faire le grand saut et de monter dans l'avion, Batzlacha. Suite à notre intégration, nous avons été conseillés, ou j'allais dire plutôt mal conseillés par certaines instances en ce qui concerne l'éducation de nos enfants, à savoir nous avons été fortement conseillés de mettre nos enfants dans les meilleures écoles de Jérusalem, chose que bien entendu en tant que bons parents français nous nous sommes empressés de faire. Très rapidement, au bout de quelques mois, nos enfants se sont retrouvés très vite en difficulté. Nous nous sommes malheureusement rendus compte de ce problème que très tardivement. Effectivement, sans aide, sans oulpan, sans cours particulier, il était très difficile pour ces enfants de rattraper à la fois un niveau d'hébreu, un niveau de kodesh et un niveau, je vais dire, une autre façon d'aborder les études qui était nettement différent entre la France et Israël. Le Rav Chaim Sultan m'a conseillé de rencontrer un autre Rav, le Rav Shaul Silam, qui était un des responsables des enseignants de l'école de Nahalé Tzion. J'avais enfin trouvé une école qui était à la fois francophone et qui allait intégrer mon enfant progressivement, puisque les cours sont au départ en français, mais ensuite progressivement le deviennent en hébreu. Et cette fameuse école proposait à mon enfant de passer un bac israélien, chose à laquelle je tenais particulièrement pour qu'il puisse plus tard s'intégrer dans la société israélienne. Très rapidement, mon fils est passé d'une situation d'échec dans une situation de réussite, avec bien entendu un épanouissement qui a suivi et une joie de vivre que je revoyais et je pourrais relire sur son visage. Je remercie cette école d'exister et j'invite tous les parents qui ont fait leur alia et qui ont des enfants avec des enfants qui ont l'âge de l'adolescence de prendre rapidement contact avec cette école, car ce sera pour eux une véritable solution d'intégration. Merci beaucoup.